Bonjour cher lecteur, nous allons vous présenter notre première lecture. Ce livre s'appelle Aurora, l'expédition fantastique. Il est écrit par Vashti Hardy et édité chez Ozu en 2019. La couverture est parsemée de bleu nuit et d'or. Elle est belle. Le dirigeable nous rappelle une fantastique aventure et le titre nous le confirme, l'expédition fantastique. Le ballon est au-dessus de la ville. Là, sur la quatrième couverture, nous voyons la ville, mais le dirigeable a disparu. On en déduit qu'ils sont partis à l'aventure. Ce livre possède 420 pages, dont 4 pages de remerciements. Donc uniquement 417 pages à lire. C'est un gros livre qui se lit tranquillement. Si vous n'avez pas la flemme, il se lit en 5 jours grand maximum. Ce roman jeunesse se passe dans un autre monde, le grand large. Arthur et Maudit, deux jumeaux, partent à la recherche de leur père, disparu, lors d'une expédition. On leur annonce qu'il est mort, mais ils espèrent le retrouver. Alors ils embarquèrent sur l'Aurora, un dirigeable fantastique. En point positif, ce livre nous force à imaginer un univers extraordinaire, des animaux qui nous comprennent plus que d'habitude, des courses de navires volants, par exemple. Mais il y a un point négatif. Il y a une note négative. Certains passages sont trop longs. C'est donc un livre pour les bons lecteurs.